En 2015, nous recensions 415 millions de diabétiques dans le monde, avec 14 millions en Afrique. Des chiffres déjà alarmants, mais annoncés en hausse d'ici 2040 par la Fédération internationale du diabète, FID. En Côte d'Ivoire, sur les 1,2 million de personnes atteintes du diabète, la moitié ignore être atteinte. Afin de lutter contre cette maladie chronique, le docteur Amos Ankoché nous dit tout ce qu'il faut savoir. Le diabète, qu'est-ce que c'est ? Mais le diabète, c'est une augmentation du taux de sucre au-delà de 1,26 g à deux reprises à jeun. Comment reconnaît-on la maladie ? On urine beaucoup. L'adulte, il prend du poids, il grossit et il mange beaucoup. Qui sont les personnes à risque ? Si le père et la mère sont diabétiques, les enfants qui naissent de ces deux parents-là sont à risque. Une femme qui accouche de gros bébés, c'est une femme qui est considérée comme à risque. Des femmes qui font des infections urinaires aussi ou vaginales, les gens qui ne font pas d'activité physique du tout, qui prennent du poids ou en surpoids, sont des personnes à risque. Comment prévenir le diabète ? Pratiquer une activité physique régulière, il faut arrêter de fumer, ne pas prendre du poids, savoir choisir ses aliments, éviter de manger trop gras, trop sucré. Vous mangez pour avoir de l'énergie et après avoir mangé, vous décidez de prendre 5, 6, 8 carreaux de sucre et vous l'avalez avec de l'eau. Donc ce sont de très mauvaises habitudes alimentaires. Parce que vivre, c'est partager.